dispositif, mais elle n'a pas changé. On étudie toujours la morphologie, la distribution, le groupement, le nombre et la taille. Bien entendu, on fait une classification du breast de l'Uportine dans le système de la radiologie, puisque c'est ce qui a été décidé en France et notamment pour les dépistages. Et donc, généralement, ce sont les lésions classées BI-RADS 4 ou BI-RADS 5 qui sont réalisées. Alors là, si vous voulez, comme rétrospectif, je vous propose donc de vous donner les signaux classiques, et notamment à partir de l'étude que j'avais publiée dans l'European Journal of Radiology en 2003, où nous avions quand même une série de 9 cas, c'est quand même une plus grande série, et que nous avions revu, donc j'avais relu toutes les mammographies, et ceci avait été réalisé avec le soutien du mammographe. Elle avait publié toute la partie chirurgicale, donc la partie radiologique. Alors c'est quand même très intéressant car nous voyons effectivement qu'il y a des signes qui sont quand même aidants car vous voyez par exemple que pour les grades 1, essentiellement d'un point de vue morphologique, une qualification les classiques mais de distribution segmentaire linéaire. C'est pour ça que nous en faisons. Tout ce qui est en jaune, c'est que c'est statistiquement significatif. Et vous voyez par contre, pour les grades 3, eh bien, on a davantage de classifications comme qu'ils forment irrégulière, arborisée, linéaire. Voilà donc un exemple de classification linéaire qui, effectivement, ne trompe pas. Alors ensuite, par rapport à la nécrose, je ne vous mettrai pas toute la série, quelques diapositives que j'ai sélectionnées. Eh bien, même chose, sans nécrose, vous avez tout à fait les classifications, donc, punctiforme biliaire poudreuse, qui sont donc sans nécrose, et les avec nécrose, plus ou moins de la nécrose, eh bien, ce sont les punctiformes irrégulières arborisées, et tout ceci était effectivement statistiquement significatif. Donc, déjà, à l'imagerie, on a une idée de l'agressivité du carcinome de la réticule. Donc, un exemple ici avec des classifications fines poudreuses, où vous avez un carcinome canalaire de type fibriforme. Autre exemple, là, vous avez des calcifications qui sont épaisses, linéaires, et donc là, avec de la nécrose, donc ça, c'était un carcinome. Alors ensuite, donc, pour ce qui est de la distribution, eh bien, c'est pareil, plus elles vont être triangulaires, plus il y aura une agressivité de ces carcinomes canaliens in situ. Et là également, pour le type Toledo, il y a davantage d'amas triangulaires que dans les autres cas. Très bel exemple ici, vous avez donc les classifications, et là vous voyez tout le trajet linéaire que l'on retrouve ici. Alors les classifications, il faut voir qu'elles sont aussi corrélées à la taille et à l'histologie, et ceci était statistiquement significatif, et l'étendue des classifications était également corrélée au grade. C'est-à-dire que plus les classifications étaient tendues, plus le grade était élevé. Alors bien sûr, il faut savoir qu'il y a aussi des gaps, et là vous avez quelques classifications linéaires, là vous n'en voyez pas, là il y en a d'autres, par contre, il y en avait entre les deux, mais elles n'étaient pas encore classifiées. Alors, les classifications et le nombre, donc c'est 20 qui ont été retenus, et bien là également c'est pareil pour les carcinomes canaliens in situ avec nécrose, si elles sont nombreuses, on en a davantage. Donc, voilà, et pour le comédo, c'est pareil. Donc là, exemple ici avec des classifications linéaires donc, qui témoignent de l'agressivité. Alors, nous avons vu les signes calciques, maintenant nous allons voir les signes non calciques. Donc les masses, les ondes irrégulières, les images stellaires, l'hyperplasie focale et les gradients de densité. Vous voyez quand même qu'ils sont souvent associés donc à des calcifications. Et par contre, pour les signaux non calciques, eh bien vous voyez que vous avez davantage de grade 1. Et ensuite, par contre, pour ce qui est des images stellaires, hyperplasie, gradient de densité, davantage donc, de zones avec de la nécrose. Donc je rappelle, ce qui est en jaune, c'est statistiquement significatif. Un
un exemple ici, vous avez effectivement un gradient avec une distorsion et vous retrouvez l'image de Catimon de la mer in situ. Alors, j'avais également repris donc les séries, puisque à l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas encore la classification de l'optimagine importée dans le data system, et donc en 2001, j'avais repris une partie de la série. Et donc, nous avions vu, en fonction de cette classification, le degré d'agressivité. Et vous voyez que pour les ACR 3, on a plutôt des grades 1. Alors attention, vous allez me dire, les ACR 3, normalement, on ne les macrobiopsie pas. C'était des ACR 3, soit les patientes avaient déjà un cancer du sein, soit elles étaient à haut risque familial. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, on fait une macrobiopsie de ces images. Vous voyez donc la signification, voilà, aussi donc pour la CR4, pour les grades 1, et donc pour les ACR5, il y a davantage de grade 3, davantage de nécrose, les types chromosomes et les types massifs plus fréquents. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'agressivité des images. Alors maintenant, un petit mot rapide des écoulements mamelonnaires, parce que ça s'y représente représenté à peu près 16%. Donc généralement, ils sont semblants, c'est semblant. Il faut savoir que dans presque 50% des cas, la mammographie est normale. Donc, ils sont plus fréquents chez les femmes de moins de 40 ans, dans ce cas particulier. Et ce sont souvent des CCIS isolés, donc 63% des cas. Par contre, ici, davantage de grade 3, des types comédo, moins de types cribriformes. Il faut bien entendu savoir qu'ils peuvent être associés à des papillomes solitaires, papillomes mastopathiques, kystiques et ectasiques à manière sécrétaire. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit mot. Je devais parler de l'évolution. Sachez que maintenant, la galactographie est un phénomène historique. Nous n'en faisons plus, il y a au moins 15 ans. Voilà. Sauf pour les très très vieux chirurgiens. Maintenant, ils ont pris voilà. Et donc, éventuellement, on peut en faire, mais ça ne présente pas d'indication puisqu'ils ont des techniques qui permettent d'éviter cet examen. Par contre, nous avons la possibilité de faire des ductos IRM. Les indications ne sont pas, je dirais, standardisées. C'est vraiment au coup par coup. Il n'y a pas d'indication systématique de faire ces examens qui permettent de voir éventuellement des lacunes au niveau des canaux. Alors, donc, puisqu'on en est dans l'évolution, nous sommes arrivés en 2005, la mammographie numérique commençait à avoir le jour, et on a étudié la sensibilité, vous voyez, supérieure à la mammographie classique, donc 95% 91% pour la mammographie analogique. Bon, il faut savoir qu'il y avait donc les dates et les tranchants, la spécificité également un peu meilleure. Alors, la sémiologie est identique. Je rappelle que les radiologues doivent vous faire des profils, et notamment pour les chirurgiens, parce qu'il faut qu'ils puissent se reposer, et que les agrandissements restent de mise, face et profil. C'est très important de voir que le bilan est complet. Donc vous avez ici les classifications. Selon l'angle, ici, donc, segmentaire, minimal. J'espère que tout le monde voit bien. Donc, l'intérêt, c'est de savoir si vraiment c'était utile. Et donc, il y a une grande étude américaine qui est sortie en 2005. Ça, c'était avant de le proposer en dépistage, parce qu'en dépistage organisé, quand on invite une population, il faut absolument être sûr de ce que l'on fait et de ne pas être visible pour une population puisqu'elle est ici invitée, elle ne vient pas d'elle-même. Donc le démiste, donc grand démiste. Donc là, c'est du sérieux, 49 528 patientes. Par contre, très hétérogène, 33 sites, plein d'appareils différents, mais je dirais que le nombre d'imprimés, et cette étude a permis de montrer qu'effectivement, pour les carcinomes canalaires in situ, alors hop, on est là, vous voyez qu'il y a 4 en analogique, 14 donc, en périménopause, en numérique,
Pour les femmes de moins de 50 ans, un peu plus vite, il y a également 14, donc effectivement tout à fait intéressant. Et là, pour 50 ans, puisque là les 5 sont plus longs, c'est bien là également, donc attendez pas, je vous mets ça. Vous voyez qu'il y a davantage de classification et de CCIS trouvées grâce au numérique. Donc maintenant, le numérique est vraiment meilleur. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, la technique de tomosynthèse est venue sur le marché. Et je vous rappelle que le contrôle qualité, il y a un contrôle qualité européen, mais il n'y a pas de contrôle qualité national, donc les appareils ne sont pas contrôlés. Les appareils, bien sûr, les mammographies classiques le sont, mais pas la tomosynthèse en elle-même. Donc là, c'est le tomitrial. Il y a d'autres études qui sont également sorties. Je vous donne celle-là parce que c'est la première, c'est la princesse, c'est une grande étude. Et puis, c'est fait par la Grande-Bretagne, donc c'est vraiment très, très sérieux comme technique. Et donc, je suis désolée, je vous ai laissé mon diapositive en anglais, et donc, on va voir donc ces résultats. Donc, ils ont donc contrôlé l'A2D. L'A2D, c'est les clichés standards. Hein, voilà. L'A2D plus ce qu'ils appellent DBT, donc la tomosynthèse, donc 2. Et ensuite, en 3, des films de synthèse 2D, c'est-à-dire qui sont réalisés à partir de la tomosynthèse, et voir s'il y avait des différences. Donc là, 7060 personnes. C'est aussi un nombre suffisant. Alors, un petit clin d'œil quand même pour vous donner une dose. Bien que, effectivement, il n'y a pas de contrôle qualité externe pour être sûr que ce soit les bonnes doses. Donc là, c'était des doses estimées. Donc une 2D, 3 mg, donc c'était pour les deux vues. La DBT, donc la tomosynthèse calibrée. Si vous faites les deux techniques, c'est 7 mg. Si vous faites deux synthétiques, vous restez à 4 mg. Tout en sachant que la SD, donc la tomosynthèse avec des 2D synthétiques, ne sont pas autorisés, hein. Même en fonction des appareils. Hein. Il y en a qui le font, mais il faut savoir que ce n'est pas autorisé. Alors, des résultats sur la sensibilité, on va revenir donc à la carcinome à l'institut. Eh bien, vous voyez pour la 2D, 87%, 2D plus c'est DBT, 89%, image de synthèse et DBT, 88%. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très peu significatif pour la 2D et la 2D avec tomosynthèse, et que ce n'est pas significatif pour synthèse 2D et la tomosynthèse. Alors ce qui nous intéresse, c'est la spécificité. Et là, vous voyez 58% pour la 2D, 69% pour la 2D et la tomosynthèse, 61% pour les images de synthèse et la tomosynthèse. Donc là, il y a un plus pour la spécificité. Et donc là, la tomosynthèse a forcément un intérêt lorsque l'on envoie une image pour effectivement la localiser et l'apprécier. Donc par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que je voulais souligner. Par contre, pour les calcifications, donc ceci est beaucoup plus faible et ne présente pas vraiment d'intérêt. Ils finissent leur article en disant qu'il faut continuer les études et les recherches sur la tomosynthèse. Donc vous avez bien compris que pour les carcinomes canaliens institut, la tomosynthèse ne présente pas complètement de l'intérêt. Et alors là, j'ai une diapositive assez extraordinaire, et je remercie M. McPhan, car elle va vous permettre de vous donner les résultats du carcinome canalaire in situ dans les Pyrénées-Atlantiques, votre région, et il me les a donnés en fonction des différentes campagnes, donc de 2003 à 2006, donc vous voyez, donc, on en est à la 7e campagne. Alors, les campagnes, les années se recoupent, c'est normal, parce que le temps qu'une campagne se finisse et que l'autre commence, c'est normal qu'il y ait des recoupes. Alors, ceci est fort intéressant. Donc, vous avez là les mammographies qui sont réalisées là. Enfin, beaucoup, c'est normal, puisqu'on va aller jusqu'à 2017. Ensuite, donc, vous voyez ici donc, les pourcentages. Donc, là, c'est CCIS et CLIS. Et là, ce sont les CCIS. Là, c'est le pourcentage par rapport à ça. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, là aussi, on est tout à fait les résultats nationaux à 15%. Ce qui reste beaucoup sur cette diapositive, c'est de voir les grades. Parce que vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de hauts grades. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ce sont des cancers qui vont devenir agressifs parce qu'ils vont passer à l'infiltration.
Tandis que, vous voyez, dans les backgrounds, il y en a quand même beaucoup moins. Donc là, cette diapositive montre bien l'intérêt du dépistage pour découvrir des carcinomes canaliens in situ qui, dans les Léopards, restent inconclusifs. Alors maintenant, nous en avons fini avec le diagnostic et je voudrais vous parler de l'échographie, car c'est dans le bilan préthérapeutique, car il va nous permettre de rechercher des infiltrations par des épaississements des canaux, des lacunes hypoallergènes. Ça, c'est fondamental parce que la conduite à venir peut être tout à fait différente. Là, il y a eu également beaucoup d'études. Donc, on reprend des études anciennes puisque je devais faire l'évolution. Donc, vous avez pris l'historique. Donc, généralement, on voit des zones hypoallergènes, des classifications sous forme de petits spots que l'on peut voir. Ça permet d'orienter les prélèvements, de micro et de macrobiopsie. Effectivement, si vous avez une cible, vous pouvez faire une microbiopsie sous écho. Par contre, si elle est négative, effectivement, faire une macrobiopsie sous écho aussi, puisque maintenant nous le faisons et que toujours par la réalisation. Dans ce cas, si vous avez une classification, faire une radiographie des échantillons. Et puis, ceci permet aussi de voir les lésions multicentriques, multifocales ou contralatérales. Donc, important, donc, cette échographie. Vous avez ici l'exemple d'une lésion. Ici, et donc dans ce cas-là, on voyait donc les classifications, donc on a pu faire le diagnostic aussi de zone infiltrée. Là, un exemple historique, vous avez donc des canaux dilatés avec des classifications, c'est simplement ici. Vous avez une image échographique avec donc là des contours, et bien en réalité, il n'y avait aucune infiltration sur cette lésion. Alors maintenant, un sujet important aussi, c'est l'IRM. Dans les CCIS, ceci permet d'apprécier la vascularisation, l'extension, les lésions infiltrantes, les signes de multifocalité, multicentricité. Mais est-ce qu'elle va nous apporter du temps ou est-ce qu'elle va nous embrouiller et nous faire des ennemis, les chirurgiens? Donc après, effectivement, ils vont avoir à gérer les dossiers. Donc il faut penser à eux, c'est important. Alors, donc, 2003, vous voyez cette étude de donc, qui montrait, qui disait que les techniques n'étaient pas standards. Maintenant, ils sont standardisés. Très limité, car manque de disponibilité, ça reste de mise. Par contre, les qualités sont vraiment standardisées et c'est beaucoup mieux. Et la spécificité peut être modérée, mais nous allons pourquoi. Alors, l'IRM, elle reste quand même toujours fondamentale pour donc, les patientes à haut risque familial. Donc, ça, effectivement, et dans ce cas-là, il faut la faire. Je rappelle les caractères initiales. HAS, la maladie de Paget, mammographie, échographie normale, il faut quand même rechercher s'il y a une lésion, donc là, effectivement, et d'autant plus, doit-on faire un traitement conservateur? Normalement, on n'en fait pas sur les maladies de Paget, mais il y a des cas très faciles où ça se fait, donc là, vraiment important de faire l'IRM. Là aussi, pour les écoulements mammaires, ça reste tout à fait discuté, je vous ai parlé de l'IRM, éventuellement, donc surtout ce qu'on va retenir, c'est pour l'étendue et la taille des lésions. Et s'il y a difficulté entre traitement conservateur versus mastectomie, et dans ce cas-là, ceci doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, très important. Et c'est le chirurgien, je dirais, qui va donner cette indication. Donc vous aviez cet exemple, donc là, cette femme-là, elle est positée. Donc il y avait effectivement une prise de contraste sans masque qui correspondait donc à un CCIS. Autre exemple aussi, où là vous voyez très bien la prise de contraste, donc ça c'est bon, mais surtout on voit effectivement qu'il y a une autre lésion qui était une lésion infiltrante. Donc là, effectivement, la prise en charge va être différente. Alors, bien entendu, si vous faites des IRM, il faut que vous soyez capable de faire des macrobiopsies sous IRM. Voilà, parce qu'après, on ne peut pas laisser sans savoir ce que l'on fait, éventuellement mettre au moins un harpon sous IRM. Alors, bien entendu, si on n'a pas le matériel, on peut faire des échographies de seconde loupe. Là, je vous rappelle qu'il y a quand même une corrélation entre les échographies de 57%, pour les masses 65%, les non-masses 10%, donc là, évidemment, pas très bon. Et si la masse s'avère être un cancer, donc on a 85% de corrélation. Donc en moyenne, d'autres études disent 70. Donc déjà, ça nous permet de faire une biopsie éco-guidée et c'est plus facile. Alors bien sûr, ça c'est une diapositive qui avait pris quand je fais des IRM et des biopsies à Paris. Le système de macrobiopsie.
Alors maintenant, on parle beaucoup des sous-estimations sur les CRM. Qu'en est-il? Donc là, les séries anciennes, je vous l'aurai tout à l'heure. Là, ça concerne la mammographie. Alors, vous voyez que les chiffres, quand même, c'est une petite série. Et là, je trouve que les chiffres vraiment varient beaucoup. On parle pour la mammographie. Hein. 45%, 5%, ensuite on a la mammographie recherchée. 5% à 5%, donc c'est énorme quand même, là ça va être meilleur. Et 4 à 48 pour les sous-estimations, l'estimation exacte de 4 à 48, donc là, franchement, c'est pas des chiffres encourageants. Alors, je voudrais vous parler de cette thèse de Nicolas Gauthier, qui est extrêmement bien faite. Là, je vous ai mis juste une diapositive pour voir ses résultats. Là, il a donc corrélé la taille entre la mammographie et l'IRM. Là, c'est quand même très intéressant puisqu'on voit la corrélation de la taille. Hein. Voilà. C'est de 64% pour l'IRM et de 45% pour la mammographie. Vous avez donc des surestimations, de la taille, 16%, 3%. Après, si la lésion est importante, 26%. Et entre 11 et 20%, 6%, 22%. Il y a 6 à 20%. Donc effectivement, là, l'IRM semble très intéressant. Et là, cette étude reste très récente. Et bon, c'est un travail de grande qualité. Alors, exemple ici avec des calcifications cochléaires, c'est difficile à voir. Et vous voyez que là, l'IRM permet tout à fait de voir la prise de contraste. Alors maintenant, je trouvais cet article très intéressant, la même, 2010, où c'est la prise en charge par rapport à l'histologie, et rétrospectivement, c'est une petite série, mais c'est quand même super intéressant. C'est moi ce qui va me plaire, c'est les lésions résiduelles. Vous voyez là, 17% des IRM étaient négatives et il y avait une lésion résiduelle, 13% des IRM étaient positives et il n'y avait pas de lésion tumorale. Donc, voilà, on est à peu près 15 à 20% d'inadéquation. Je vous rappelle que la sensibilité de l'étude est de 60%, la spécificité de 17%, la VDD est de 40%. Voilà. J'ai fini. Donc, Solina a montré que dans ce cas-là, eh bien, si c'était très intéressant, il n'y avait pas de différence au niveau des récidives à l'hiver entre les deux. Donc 6% dans les deux cas, l'IRM ou une mammographie. En 2016, tu vois que j'approche de la fin, eh bien, dans ce cas-là, toujours la même chose, donc recherche d'une composante invasive, ça c'est important. 10 à 50% des vaccins cadavres in situ ont une composante impliquée dans ces études, et donc 43% des vaccins cadavres infiltrants. Voilà, alors ce qu'on va retenir, donc la taille tumorale estimée par l'IRM est mieux corrélée. Il y aurait quand même une indépendance par rapport au grade et la taille, quoique pour les bas grades, il y a des sous- et des surestimations. Il n'y a pas d'études sur la multiplicité. Donc ici, avec des gastrifications et la fameuse prise de contraste. Alors l'indication, donc là, c'est des sous-conclusions. Sur l'IRM, bien les non recommandés en systématique dans le cadre des CCIS, excepté pour les femmes à haut risque de cancer du sein, les maladies télépagées avec une mammographie qui est quantique normale et discordance radioclinique. Alors, les prélèvements percutanés, eh bien, là, il n'y a pas eu de modification via des appareils différents. C'est vrai que par rapport au premier qu'on avait avec tout ça en 1989, je dirais que les appareils des couples de l'étranger sont moins. Et sinon, donc, c'est pareil, bien entendu,
pas de chirurgie sans macrobiopsie. Donc un exemple ici, ça c'était un certain système, donc la décalcification linéaire, hop, ici vous voyez d'autres systèmes, donc pas de problème particulier. Je vous rappelle que le repérage est indispensable, pas de changement en particulier, si ce n'est qu'il faut toujours faire la radiographie de la pièce opératoire pour voir ces classifications. Conclusion générale. Donc, bien entendu, vous avez vu, on trouve par la mammographie davantage de carcinomes pendant la latitude. Donc, dépistage organisé 15-20%, je dirais 15% sur l'étude nationale. Mammographie, on préfère le numérique et le plein champ, avec des agrandissements géométriques face profil. Exiger que les radiologues n'ont pas des agrandissements face profil et face à profil. Donc, macrobiopsie sous stéréotaxie par aspiration par le duo, toujours, ça n'a pas changé. L'échographie pour rechercher des localisations multifocales, multicentriques, des signes d'infiltration. Et l'échographie de seconde suite à l'IRM, on fait des biopsies, micro ou macro, en fonction de ce qu'on a détecté. L'IRM, on note qu'elle n'est pas systématique, sauf s'il y a des facteurs de risque que je vous ai déjà cités plusieurs fois. Et bien entendu, par contre, c'est vraiment une grande aide pour le choix chirurgical s'il y a un doute. Et ceci doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je vous remercie.